Alors, le diagnostic de l'autisme, c'est un diagnostic clinique. Hein. Quand on reçoit un enfant qui a plus de 3 ans et qu'on constate qu'il présente des difficultés importantes qu'on appelle des altérations des interactions sociales réciproques, c'est-à-dire une grande difficulté à être en relation avec l'autre. Par exemple, il ne regarde pas, par exemple, il ne s'intéresse pas à l'autre, il ne répond pas aux questions qu'on lui pose, etc. Quand il présente des altérations dans ses possibilités communicationnelles, il ne peut pas dire quelque chose. À 3 ans, un enfant habituellement parle déjà de façon suffisante et peut communiquer ses émotions, ses besoins, ses désirs à un autre, et il peut tenir compte de ce que l'autre lui dit. Dans ce cas-là, l'enfant est dans une grande difficulté pour pouvoir communiquer avec un autre, aussi bien sur le plan expressif que sur le plan réceptif. Et puis, troisièmement, il a déjà mis au point un certain nombre de comportements qu'on appelle répétitifs, qui ont un caractère restreint dans des comportements très ritualisés. Et donc, cet enfant-là manifeste par ces trois grands signes des très grandes difficultés à se situer dans la moyenne des autres. Quand ces trois signes sont réunis sur le plan clinique, on est fondé à à proposer un diagnostic d'autisme. On va toujours essayer de compléter ce premier diagnostic clinique par des bilans paracliniques qui sont souvent faits par des psychologues, des psychomotriciens, des orthophonistes, pour préciser pour chacune de ces grandes sphères du développement là où en est le développement cognitif de l'enfant, là où en est la possibilité qu'il a de communiquer ses émotions avec son entourage, ses affects. Et puis on va essayer d'étudier là où il en est de son développement psychomoteur, c'est-à-dire est-ce que finalement la possession qu'il a prise de son corps est suffisante pour lui permettre d'être au monde d'une façon satisfaisante. Et puis on va demander à l'orthophoniste qu'il nous dise là où en est cet enfant dans ses capacités non pas émergentes, puisqu'on a vu qu'il ne pouvait pas justement utiliser ce système communicationnel, mais est-ce qu'il a les précurseurs du langage qui sont là présent en lui ou pas. Par exemple, est-ce qu'il est capable de pointer du doigt non pas un objet qu'il voudrait, parce que ça c'est un enfant d'un an qui peut le faire, qui montre quelque chose parce qu'il ne peut pas encore le dire, je veux un objet qui me fait plaisir, mais est-ce qu'il est capable de pointer du doigt un objet qui l'intéresse et qu'il est capable de partager avec sa maman ou avec son papa parce que ça l'intéresse et qu'il a envie de savoir ce que sa maman ou son papa pensent de cet objet? Ce qu'on appelle l'attention conjointe sur un objet. Est-ce qu'il est capable de faire ce pointage proto-déclaratif? S'il est capable, probablement que l'autisme est un diagnostic clinique qu'il faut revoir. Parce que cet enfant-là, s'il est capable de faire ça, dans ses précurseurs du langage, ça veut dire qu'il n'est pas dans une problématique autistique classique. Bien, tous ces bilans-là étant faits, il va falloir évidemment compléter ce bilan clinique et paraclinique par un élément très important à mes yeux, qui est le bilan que peut faire le neuropédiatre, qui va nous guider dans l'examen du corps fonctionnel de l'enfant sur des pistes qu'il faut savoir explorer. Est-ce que cet enfant entend? Est-ce qu'il a une audition qui est de bonne qualité? Est-ce que cet enfant présente des signes de maladies neurologiques qui sont préoccupants en soi? Par exemple, est-ce qu'il présente une épilepsie? Est-ce qu'il fait 20 ou 30 absences par jour qui seraient de nature à justifier le syndrome autistique apparent? Par exemple, un enfant, quand il se développe, s'il a des absences épileptiques plusieurs fois dans les interactions qu'il a avec ses parents, eh bien évidemment, ça va entraîner chez lui des réactions qui peuvent se présenter comme un syndrome autistique. Et pourtant, ça n'en est pas un, puisque c'est en rapport avec cette épilepsie. Donc le neuropédiatre va avoir un rôle très important dans l'examen clinique approfondi qu'il va nous proposer pour compléter l'examen clinique que le pédopsychiatre a fait. Et tous ces éléments vont être au fond rassemblés dans une synthèse qu'on va présenter aux parents. Et donc à ce moment-là, quand cet enfant a 3 ans, qu'on présente cette synthèse de tous les éléments cliniques, paracliniques et des examens complémentaires que le neuropédiatre aura entrepris de faire pour cet enfant-là, on va avoir une impression clinique globale qui va nous aider avec les parents à penser la question de la prise en charge. Si pour moi le diagnostic est si important, c'est bien entendu parce qu'il faut pouvoir, avec les parents, dire ce que l'enfant qu'ils ont a comme pathologie, comme difficulté. Mais ce n'est pas pour en rester à ce diagnostic, c'est pour avancer vers
l'indication de la prise en charge. Et là, je pense que c'est un élément très important, ce diagnostic, pour justement justifier avec les parents les différentes formes de prise en charge qu'on va leur proposer pour que l'enfant ne reste pas uniquement l'objet d'un diagnostic, mais devienne le sujet d'une prise en charge à venir. Alors, dans les grandes conférences internationales de consensus autour de l'autisme actuellement, la plupart des gens sont d'accord pour dire que si on posait un diagnostic bien avant 3 ans, on risquerait de rentrer dans ce que la médecine appelle la question du diagnostic différentiel. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de l'épilepsie, si cet enfant présente des signes de retrait relationnel, d'évitement relationnel qui sont en rapport avec cette épilepsie, ou avec une surdité, ou avec une déficience, eh bien, de dire à 18 mois, cet enfant présente un syndrome autistique alors que c'est un syndrome qui se présente comme un autisme qui est secondaire à autre chose qu'un autisme, on risque de rendre cet enfant porteur d'une deuxième pathologie additionnelle qui viendrait s'additionner à la première qu'il a déjà et à l'entraîner vers une piste qui n'est pas forcément celle que doit suivre sa maladie propre, originale. Et je crois que c'est vraiment très important de ne pas rajouter des pathologies en plus à un enfant qui va déjà avoir une première pathologie, qui est une surdité ou une épilepsie ou une maladie dégénérative ou autre. Et donc c'est dans ce souci-là que les spécialistes internationaux se sont mis d'accord sur le fait qu'on ne va pas porter du diagnostic positif, c'est-à-dire certain, avant 3 ans, de façon à éviter ces différentes occurrences qui ne sont pas des pathologies autistiques elles-mêmes.